Salut à toutes et à tous, c'est le grand jour, on va enfin savoir qui va se hisser dans le ciel de l'Europe. L'ambiance monte, les pulsations cardiaques aussi, c'est la grande finale de cette Euro. L'Angleterre affronte l'Espagne. C'est l'heure où on ne perd pas, c'est l'Euro, c'est la finale. La maison n'accepte pas l'échec. Voici le 11 pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford. Jude Bellingham sera épaulé par Declan Rice au milieu. Et enfin, Harry Kane en pointe. Attention, Pedri. Ça y est, c'est fait. Le premier but dans cette finale. Et ça nous promet une fin de match incroyable. On revoit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Donc au tableau d'affichage. Bellingham. Nico Williams. Ça joue avec Pedri. Une possibilité là pour centrer. Oui, bien défendu. Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Le danger est écarté. John Stones. Ah, le pressing est haut. Attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit. Perte de balle très dangereuse. Attention. Ça fait trembler les filets. Le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses deux buts d'avance. Un vrai but d'attaquant avec son duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ah, il élimine son adversaire. Harry Kane la frappe et très bonne intervention du gardien. Bukayo Saka reçoit le ballon et c'est pour Bellingham. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes, au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Le ballon part au deuxième poteau. Allez, il faut la tenter. Ah, c'est raté, dommage. Bonne présence au contact. Oh, attention à ce ballon. Ah, sous pression, Alexander Arnold. Ah non, la Pedri qui perd le ballon. Oh, la nouvelle perte de balle de l'Espagne. Il y a de l'espace sur le côté pour l'Espagne. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Et oui, c'est au fond, la démonstration continue. Nouveau but et ça fait plus 3 au tableau d'affichage. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Le match reprend, l'Espagne a pris une large avance dans cette rencontre. Bellingham.
Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera une minute de temps additionnel. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. C'est le début de la deuxième mi-temps avec donc l'Espagne qui mène pour le moment confortablement dans cette rencontre. Declan Rice. Et la grosse intervention là. Ah, dommage, ballon perdu. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions, tenter sa chance de loin, pourquoi pas, mais il faut évidemment cadrer son ballon. Cadrer tout en conservant la même puissance. Allez, changement donc. Le pressing sur Kyle Walker. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Ah, il y avait vraiment de l'idée dans ce ballon, mais personne pour venir couper la trajectoire. Ballon pour Alvaro Morata. La frappe de Morata. C'est contré. Et ballon perdu par l'Angleterre. Dans le couloir, l'Espagne peut avancer. Elle s'est envoyée vers la surface. Voilà, changement donc. Oh, ça presse là sur Walker. Excellente intervention, le ballon est récupéré. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Regardez, le but il arrive juste après une grosse séquence de pressing sur la relance. Le score est donc de 4 buts à 0. Ah oui, d'excellents ballons. Oh, la belle intervention là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Elle a bien tiré dans la surface. Le corps en opposition, c'est pas fini. À l'attaque était jouée, ça n'ira pas plus loin. Et la pression pour empêcher la relance. Et le gardien s'emploie bien. Vers le point de pénalty. Ah, difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but. C'est un manque de réussite. Bonne présence au duel, le ballon change de camp. Ballon pour Alvaro Morata. Et le ballon qui vient d'écarter.
ballon dans la surface. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Le quatrième arbitre lève son panneau lumineux. 3 minutes supplémentaires au minimum. Declan Rice. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Oui, bien fait ça. Ah oui, l'intervention. Bien joué le gardien. C'est bien parti pour ce corner. Ouais, le pressing est efficace là. Ça y est, c'est fait. Les Espagnols lèvent les bras au ciel. C'en est fini cette finale. L'Euro 2024 livre son verdict. L'Espagne est championne d'Europe. Quand on parle de rencontres, d'entente, de jeux, des fans, des passes, on parle du football. Et quand on parle de football, on doit toujours parler de l'Espagne. Magnifique aventure qui prend fin aujourd'hui avec ce titre européen. Une aventure qui est finie au feu d'artifice émotionnel. Voilà la remise de la coupe, ce moment que tout un peuple, que tout un pays attend. La sélection espagnole va pouvoir commencer à fêter cette magnifique victoire. Maintenant, c'est au tour des supporters de profiter un peu de la coupe. Tout le monde veut faire sa photo. C'est sacré, on ne touche pas une coupe. Ah, mais ça, c'est au début du match. Après le match, on a le droit.